Vous présenter la résolution de ce problème-là, Grasshopper, que j'ai déjà étudié avec un de mes étudiants il n'y a pas très très longtemps, qui est assez simple. Il faut bien bien lire l'énoncé par contre. Donc là, je vous propose cette problématique-là. Donc le fonctionnement du problème est le suivant. Il faut créer une fonction à qui on donne des informations particulières, et cette fonction prend deux paramètres, nom et propriétaire, et doit retourner si le nom est égal au propriétaire hello boss, sinon hello guest. Alors faire attention, il ne faut pas partir de l'hypothèse que c'est parce qu'on a Daniel qu'on a hello boss, et qu'on a Marie qu'on a hello boss. Hein. Il faut que le nom soit égal au prénom. Donc là, ce que je vous propose de faire, on va faire un get Daniel Daniel ici, ici. On va faire comme d'habitude, je vous propose qu'on fasse les compilations, qu'on évacue déjà les problèmes de compilation pour s'assurer déjà que ça fonctionne bien. Donc voilà. Ici, on retourne chaîne vide. Alors. Donc là, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est si le nom est égal à honneur. Donc dans ce cas-là, on retourne hello boss. Sinon, on retourne hello guest. Voilà, ça j'enlève ça, j'en ai plus besoin. Donc là, ce qui se passe, c'est que si on trouve que le nom est égal à la valeur honneur, on retourne hello boss. Sinon, on retourne hello guest. On essaye. Hello boss, hello guest. Ça semble pas mal. Un petit peu de ménage. Donc là, c'est très simple. Hein. C'est on regarde. Voilà. Est-ce que le nom égale? C'est les chaînes de caractères. Swift, on peut utiliser l'opérateur de comparaison. J'ai pas fait de else if, c'est pas nécessaire. Ni de else, ce n'est pas nécessaire parce que je fais un return ici. Sinon, j'aurais pu renseigner la variable résultat res et puis retourner res. Voilà, je fais un plus simple, une façon comme une autre de résoudre le problème. Là, on va tourner. Ça marche. Ça marche. On soumet le final. Ça fonctionne. Voilà. Aucun problème particulier. Voilà, j'espère que ça vous éclairera sur la résolution de ce problème de Grace Cooper. Et j'attends vos commentaires éventuellement. Merci.